Salut tout le monde, je m'appelle Mehin et aujourd'hui je vais faire une vidéo en français où je fais mon maquillage et je veux juste dire que je fais cette vidéo en français parce que je veux voir mon progrès et comment je peux améliorer la langue. Donc ouais, cette vidéo va être en français et je vais faire mon maquillage et peut-être je vais ajouter les sous-titres pour cette vidéo, mais je ne sais pas si c'est possible en vidéo et en iMovie. Donc ouais, je vais parler en français et si tu ne comprends pas, je suis désolée. Je sais que c'est bon si tu ne comprends pas et je le fais juste pour moi pour voir si je peux parler ou non. Et ouais, aujourd'hui, on va faire notre maquillage avec moi ensemble. Mais avant de commencer, je veux ouvrir la musique pour créer une atmosphère calme. Et après ça, on va commencer. Donc, je vais commencer avec Fright Night de Ariel Pink. Et tout d'abord, je veux dire que si je ne sais pas le mot en français, je veux le dire en anglais et je veux expliquer en anglais si je ne sais pas comment le dire en français. Donc, ouais. Ouais, j'espère que la musique est bonne et si. Ouais, d'accord. Tout d'abord, je vais commencer avec une crème hydrante. Je ne sais pas si cette musique c'est très lourde. Je suis désolée. Oui, d'accord. Je vais commencer avec le crème hydrante. C'est le brand Neutrogena. C'est pour les sous de mes yeux. Donc, ouais, je vais commencer avec ça. Je juste prends comme ça. Très peu, ouais. Ça, je vais juste faire ça et appliquer au-dessus de mes yeux comme ça parce que je vais appliquer le concealer ici. Ouais, donc c'est pour hydrer mes yeux. Je n'aime pas le sèche au-dessus de mes yeux. Ouais. Tout d'abord, je veux commencer avec le concealer, pas de ombre. Et j'ai le miroir ici. Je vais regarder à moi-même. Donc, j'utilise le concealer de NARS. C'est le, je ne sais pas, Light Cannelle. Je ne sais pas comment je peux le dire en français. Donc, ouais, c'est comme ça. Et je vais appliquer avec le brosse, avec le pinceau. C'est comme un flat brush. Ouais. Donc, je vais commencer avec ça. Je applique très peu. Je n'aime pas beaucoup de concealer. Et je n'aime pas faire un maquillage très, très pas large. Donc, ouais. Je vais juste appliquer ici. Et comme ça. Et aussi ici pour le correlation. Je ne sais pas comment je peux le dire en français. Je suis désolée. Ouais. Et après faire ça avec mes yeux, je aussi va ajouter un peu de concealer à la place un peu qui a un peu de rouge comme ici. C'est mon area de problème, je n'aime pas. Un peu ici peut-être. Ouais. Après ça,
Je vais utiliser le sponge pour mélanger le concealer. Donc, c'est très beau. C'est très utile. Avec le sponge, on n'aime pas faire ça avec le brosse. Et tu sais que je fais comme lifting. Je n'aime pas faire. Je ne sais pas comment dire, mais ouais. Je fais lifting and I'm doing like this to the top of my face. Ouais, et après ça, tu peux voir la différence. Et je fais la même chose à l'autre œil. Aujourd'hui, on va faire le maquillage très simple pour Nouvel An, pour la célébration de Nouvel An. Je n'aime pas, comme j'ai dit, j'ai déjà dit, notre maquillage sera très simple parce que je veux vous essayer chez vous et faire ça avec simplicité. C'est très facile et simple, ouais. Après faire mes yeux, je vais faire les autres places très vite. D'accord. Après faire ça, je vais fermer le lampe et voir in the sunlight si j'ai un peu d'imperfection. Et quand je l'ai vu, il n'y a pas d'imperfection, mais je pense que c'est bon comme ça. Ouais. Je vais ajouter un peu de concealer à mon nez et un peu ici, au-dessus de mes yeux, un peu fois. Et un peu de ici pour le eyeshadow. Comme ça. Et on va faire un peu le mélange ici. Oups, je suis désolée. Alors, je pense que c'est tout. C'est tout avec le concealer. On va plus utiliser le concealer maintenant. Ouais. Avant de commencer avec les ombres, je veux faire lip balm parce que mes lèvres sont un peu sèches. Donc, ouais, je vais faire ça. Et c'est le lip balm que j'ai commencé à utiliser à Londres parce que ici c'est, je ne sais pas, mais c'est une lip balm très géniale, je ne sais pas. Ouais, maintenant on va faire Nos Soucis. Ouais, je ne sais pas si c'est le mot pour ça, mais ouais, je vais juste faire Bobbi Brown
Natural Brow Shaper pour mes brows. Et c'est juste le brush pour brushing them up. Donc je vais le faire. Il n'y a pas un peu de problème. Comme ça. Et ici aussi. D'accord. C'est comme ça. Et maintenant, on va commencer avec les eyeshadows. Donc, je ne sais pas. Il y a beaucoup de palettes. Il y a des palettes comme ça. C'est la palette de Révolution. Il y a les couleurs un peu vibrantes, un peu red, etc. Et aussi, j'ai Fenty Beauty. C'est le cadeau de ma cousine. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, Aidan. C'est le palette, j'aime beaucoup. Et je ne sais pas comment je peux le faire, mais j'ai dit que ce maquillage sera simple. Donc, on va faire les couleurs simples. Et aussi, j'ai le palette comme ça. C'est le palette le. Mais je ne veux pas utiliser ça parce que c'est aussi les couleurs très vibrantes. Donc, on va faire les couleurs neutrales, pas de vibre now, but maybe later, yeah. D'accord. On va commencer avec ce brosse. C'est le brosse très fluffy. Et je vais ajouter le couleur très neutrale, très comme ça. Ou ça, c'est très neutral, donc ouais, comment je vais faire un peu de violet. Et ouais, je dois utiliser mon miroir ici. D'accord, ce brush on va utiliser pour, je ne sais pas, pour mélange. Et aussi on va être une brush pour précision. Et pour précision, je vais utiliser ce shade. C'est très violet, très vibrant, mais j'aime vibrant, donc je suis désolée. D'accord, on va faire un peu ça. To the corners of the eye, comme ça, comme eyeliner pour créer le shade très deep. Je vais fermer ça. D'accord, il y a un peu comme ça, tu sais, like deep color here. Et aussi, je vais le faire notre yeux. D'accord, après ça, je vais utiliser ce brosse encore. Oups. Et pour mélanger le deep color with mild color with neutral color, ouais. Je vais le faire pour mélanger les deux couleurs, comme ça.
Oh, j'aime cette musique, j'aime le son ch chanson. C'est très sexuel, je ne sais pas. D'accord. Et maintenant, on va utiliser un peu très 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 plus oui, deep color. C'est dark. Ok, I'm gonna use more deep color for creating more precise crease, like deepness in there. And it's gonna be like brown here, you see. Oops, my fucking leg hurts. Sorry about that. Well, d'accord. Brown. Et je vais utiliser un peu dessus de mes paupières, comme ici, like eyeliner, ici pour deepness. Ouais. Encore une fois. D'accord. Je pense que c'est bon. Et je vais mélanger. Bien sûr. D'accord. Maintenant, je vais ouvrir la lampe pour voir moi. D'accord. Et maintenant, on va utiliser shimmer to our eyes. C'est quelque chose sparkly. Et je vais utiliser Fenty Beauty. Le shimmer ici, tu sais, c'est le comme gold. Donc, je vais le utiliser avec ce flat brush. Ici, to the very corner of our eyes. Après ça, je vais le mélanger avec ce brush un peu fin. Et si tu penses que c'est pas assez, utilise ton middle finger ici et faire ça comme ça. Je vais vous montrer comme ça. D'accord, je pense que c'est tout. Après ça, je vais ajouter eyeliner. Ok, je sais que eyeliner vous donne un peu de peur parce que c'est très difficile, etc. Mais c'est pas difficile. Pas du tout. Je veux vous montrer comment je peux le dire avec facile. Donc, d'accord, je ne sais pas comment je peux le montrer, mais voir. Ok, I'm gonna explain this in English because I don't know how to say it in French. I'm sorry. So basically, I'm looking straight away to the mirror and I'm assuming that all the time when I'm with someone, I'm gonna look like this. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, straight. So just do your eyes straight, and then depending on how long you want to do your eyeliner, I'm just gonna do a little bit longer, like the same length as my eyeshadow goes, and I'm gonna start from here. Parce que my eye is with eye bag, so I cannot start from here, it will crease. So I'm gonna start from here. And go at this point where my shadow ends. So let's do that. D'accord, tu sais. And after that, depending on how
thick you want your eyeliner to be. I don't want it to be too thick, so I'm gonna just take a little bit from here and end it in the middle of my eyeliner. And if you want to be cool, just add some fake eyelashes here. D'accord, et je vais le faire to the other eye. Also, my eyes are not symmetric, so for this eye, I should do it from the under of my eye, but here I can start it from here because this eye is not as creasing as the other eye, but it depends on your eye shape. Just try to make them in the same length. No one is going to care about your eyeliner to be the same in the both eyes, so. And now I'm also gonna add the second line here, just a straight line. Because my eyeliner is two-tailed monster. Reference to Naruto. So this is my eyeliner now. And now, we're gonna proceed with the under eyes, and I'm just gonna use a. I'm sorry, I have to parle en français, d'accord. Maintenant, je vais utiliser un peu de couleur en dessus de mes yeux. Je vais utiliser le couleur qui j'ai utilisé le dernier. C'est le couleur, ok, the color that I used the last. So I'm gonna just take a little bit of that. And I will put it under my eyes. I'm sorry for my facial expressions. Comme ça. Comme ça. Maintenant, on a déjà fini, terminé avec les ombres et je vais appliquer le poudre pour bronzante, bronzer et blush et après ça, curling the eye, etc. D'accord. Pour bronzer, j'ai deux options. Le bronzer de L'Oréal ou le cadeau de ma tante Charlotte Tilbury, je suis désolée, qui a le bronzer et le highlighter. Mais je n'aime pas highlighter, pas du tout, je suis désolée. Et je vais utiliser seulement le bronzer et blush. Je n'aime pas highlighter. Donc, pour le bronzer, je vais utiliser avec le brush très grand. Un peu de bronzer. Where is that song? Ok. Et d'accord, pour bronzer, il y a beaucoup de vidéos qui disent que tu dois faire ici, mais non. Je fais comme blush ici. Je pense que c'est très beau pour faire notre visage sculptured. Donc, je fais comme ça ici. Tu sais. Oh mon Dieu, c'est Kai de K-pop. Est-ce que vous écoutez Kai? EXO? Quelque chose? Parce que je l'aime beaucoup.
D'accord. Et après ça, on va ajouter un peu de bronzer ici, ici. Et un peu ici. Alors, après le bronzer, tu peux voir mon visage. Ok, ici un peu de mélange. D'accord. Et maintenant, on va utiliser le blush. Et je n'aime pas highlighter, as I said. I don't like highlighter, I like blush. Donc, je vais utiliser blush à tout mon visage. Everywhere. Every fucking where. So, this is my brush for blush. I'm taking it. So, I'm gonna start from here. Go right away over my nose, everywhere. Don't smile when you're doing blush. I'm joking. Ok. Also, I'm not scared of colors and being too extra, so it depends on how much you like. Again, I'm going a lot in my nose because why not? Seeming like I'm COVID-19. Comme ça, je sais que c'est. If you think that it's too much, stop. Après ça, je vais utiliser le brush. The brush without anything on it, and I'm just gonna clean it up because it's better to have a precision. What does the fuck then? Whatever, forget it. My English is going out here, even if I'm in London. I forget everything. English, Russian, French. I don't know what I'm doing. D'accord. And if you want, just add some here too. I'm just gonna do it a little bit like this, because why not, you know? So this is me, and you can see me under the light. Je ne sais pas. I think I look good. Ok. Après ça, on va faire notre lèvre rouge, comme en Turquie. Oh mon Dieu. D'accord. Pour calmer, je vais boire water. Ok. I'm going to use lipstick matte. Et on va faire ici. I don't line my lips, but you can. Okay, now that we did our lips, I'm just going to wait for it to dry a little bit. And if you have some like faux mistakes here that you don't like, utilise le Q-tip pour ça. D'accord. Ok, now je vais utiliser le mascara pour mes, you know,
I don't know that in English, I'm sorry. What was that? Lashes, yeah. Je vais utiliser. Tu peux utiliser ça pour curling them ou juste utilise le mascara, c'est bon. Un moment, please. Maquillage, c'est une chose très importante pour moi. Parce que quand je fais maquillage et quand je vois quelqu'un qui fait son maquillage avec le motivation, je me sens très forte, powerful. Et c'est la façon de self-expression. Donc, faire ton maquillage, honey. Et si quelqu'un veut dire ton maquillage est. D'accord. Si quelqu'un veut dire que tu dois supprimer ton maquillage parce que tu es. Jolie sans maquillage. Non. If someone tells you you are beautiful without makeup, you should wear less makeup. Just tell them. D'accord, si vous aimez ce vidéo, je vais faire le vidéo comme ça avec les différents types de maquillage avec le avec mes thoughts, mes réflexes. So if you will like this video, I will make a lot of other videos too. Потому что Оломен русский дальше, баса баста. I'm sorry for that. Parce que Ouais, parce que je suis à Londres, il y a confinement et je suis très bored at home. So, ouais. Je vais utiliser le gloss, c'est Fenty Beauty, honey. Le gloss de Fenty Beauty. Ouf. D'accord, c'est tout. C'est mon maquillage. Je vais open my hair clip. D'accord. Je vais vous montrer mon maquillage maintenant. Tu sais.